Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS19. La présentation de ce Lamborghini, je sais plus lequel c'est. C'est le Mach 250, je crois. 250 T4i. Donc c'est un tracteur New Holland. Lamborghini qui a été mis en ligne cet après-midi. Mais je pense que c'est aussi une reconversion de ce qu'on avait sur FS17. Après, quand on le démarre, il y a tout s'éteint, il n'y a plus de lumière. Après, il y a le tableau de bord qui est allumé, tout est allumé. Mais après, il n'y a pas d'animation au niveau des tableaux. Au niveau des pédales, c'est animé. Le compteur aussi. Je pense pas. Je sais pas si l'essence c'est animé. Ah ouais, la jauge d'essence elle est animée. Après, la pédale est animée, après c'est tout. Après, il n'y a pas d'IC, il n'y a rien d'autre. Donc après, je sais pas si on peut le configurer. Donc c'est dans ça. Non, je sais plus où c'est. Ah. Voilà, c'est un Mach VRT. Et à 210 ou 230 et 250. Donc ça fait 260 chevaux. Après on peut mettre un chargeur ou non. On peut les mettre les masses dans les roues. Les roues larges plus masse. Roues jumelées à cœur arrière. Jumelées les 4. Ah, il n'y a pas de roues fines sur celui-là. Ah non, il y a équilibrage et large. Et de base, si je le mets de base, sans rien, aucune option, il coûte 184 000. Et si on le met avec toutes les options, donc avec toutes les options et tous les pneus, c'est 211 000. C'est comme ça. Ah, parce que il coûte de base, il coûte 184 000. Il y a 27 000 d'options en plus. Après, on peut le louer. Il fait 263 chevaux, 435 litres et 60 en vitesse de max. Ah, ouais, d'accord, il va vite celui-là. Moi je l'ai pris de base comme ça en 250 en roue standard. Après je sais pas si les prises d'air marchent et tout ça. Faudrait que j'achète une remorque pour tester. Comme ça on pourra aussi tester la vitesse. Là il y a les deux, donc on va pouvoir tester la prise de force en même temps le... En fait j'en ai déjà une, mais non, sur cette map là j'en ai pas. C'est sur une autre map que j'ai cette remarque. Est-ce qu'il y a l'hydraulique qui se met? Je vais voir. Ah, apparemment oui, donc il est bien, il était bien converti quand même. Il se met bien sur ses prises hydrauliques. Donc si je sais pas s'il y a un gyro sur celle-là. Ah non. Après on va tester la vitesse max. Donc là je suis à 35
On va essayer de le pousser jusqu'à 60. Ils disent 60, mais sur le compteur là, à droite, il est marqué 63. Donc peut-être qu'il n'y a que plus qu'à 60. Là, je suis à 63, voilà. Ah ouais. Donc il va bien à 63. Je vois quel tracteur va aussi vite à 63. Ouais. Donc pour un peu plus cher, on a ça. Après, un niveau de gamme de prix, il y a le Fast Track. Ça doit être le 300. 3000, pardon. Ça doit être le 3000. Ah non, le 4220. C'est le 4220. Bon, bah, si cette petite présentation vous a plu, avec ce nouveau. Enfin, ce nouveau. Je pense que c'est une reconversion. Si ce petit tracteur Lamborghini vous a plu.